Et yo les babes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on part pas sur du SCP, j'ai vu que ça vous avait moyennement plu. Sûrement qu'on en refera d'autres, mais aujourd'hui on part sur du Dark RP. Et dans ce Dark RP j'étais tueur à gages et vous allez voir que j'ai eu un contrat super intéressant pour le maire. Sauf que cette fois-ci le maire je ne pouvais pas le toucher pour une bonne raison. Et j'ai dû trouver un stratagème pour pouvoir le buter tranquillement et vous allez voir du grand verdeuse. En tout cas j'espère que cette vidéo va vous plaire en tant que tueur à gages. N'hésite pas à lâcher ton meilleur like si tu veux revoir du Gmod sur la chaîne. Tu lâches un commentaire aussi, j'allais oublier. Et tu t'abonnes. On se voit très vite pour une nouvelle vidéo, les babtous. Je vous kiffe. Peace. Et des divins burgers et autres. My big burger frites 78. 70 de là. My big pizza 78. My big flat pot 78. C'est des gammes. Hein. Avec le code promo Abima 78. Et Zakia 78. Ça vaut 5. Ça vous coûte 5 dollars, mon chef. Sponsorisé par les deux frères musulmans, signé Jean Mouloumet 78. Je vais faire une demande de. Bon, je vais faire une publicité, je pense. C'est vous qui passez la tâche de Nas, monsieur. Oui, exactement, c'est moi. Monsieur, je suis très intéressé. D'accord, alors racontez-moi un peu. Monsieur, est-ce que vous pouvez attendre un peu plus loin, s'il vous plaît? Oui, excusez-moi. Oui, donc racontez-moi un peu. Il y a un nouveau maire, en fait. Et je voudrais qu'il parte vite. D'accord, par contre, un maire, c'est très cher, monsieur. Vous voudrez raconter combien? Faudrait compter au moins 15 000 pour un maire, monsieur, parce que c'est très, 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 très difficile d'accès. Non, bah, le maire, c'est trop chouette. Je reviendrai avec l'argent un peu plus tard, monsieur. Pas de soucis, monsieur, on se tient en jeu. C'est vous qui avez fait la publicité comme quoi vous éliminez les tâches? Oui, c'est moi, exactement. D'accord, alors au point, monsieur, s'il vous plaît, j'aurais une grosse demande. Alors, monsieur, en fait, vous voyez, je trouve que le maire, il respecte pas assez les oui, élèves. Mais le maire, monsieur, c'est 15 000. Vous êtes pas le premier à venir me voir pour le maire. Je préfère vous le dire tout de suite, vu votre état. Je pense pas que vous ayez les moyens de me payer, parce que c'est 15 000 euros pour le maire. Ah, si, 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 j'ai 15 000 euros, monsieur. Ah, d'accord. Ok. C'est bon, 15 000. Ok, bon. Pour se prévenir de ce meurtre, on se préviendra dans le journal officiel. En revanche, si cela échoue, j'en serais désolé d'avance parce que ça va être une tâche très compliquée, mais je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour le tuer. Ok les gars, on va essayer de buter le maire. 15 000 balles pour buter le maire. Le maire est dans le tribunal. Ah d'accord, depuis tout à l'heure on pouvait attendre alors. Ouais, ok, bonjour. Il n'y a personne, j'ai l'impression. Je voudrais voir le maire, monsieur. Qu'est-ce que tu veux? Bonjour. Bonjour, je voudrais voir monsieur le maire. Ouais, monsieur, bonjour. Bonjour. D'accord, monsieur. Je veux juste bonjour, voir le maire. Monsieur. Bonjour, monsieur, je veux juste voir le maire, s'il vous plaît. D'accord, monsieur, d'accord. Attendez, s'il vous plaît, j'ai pas bien le maire que vous êtes posé. Il y a une araignée, hein. Personnel. Veuillez patienter, dans la grande salle, il est déjà en entretien. Dans la grande salle, c'est-à-dire dans le hall, quoi. Ouais, mais je vais pas attendre 20 ans, ça fait 20 ans qu'il est en entretien. Ah les gars, vous êtes des génies. Je sais pas si j'ai un visu sur lui. Hein. C'est sûr, c'est que j'ai un visu sur ce garde du corps. Ah, il est là, le maire. Faudrait pas qu'il bouge. Putain, les gars, j'ai la boule au ventre. Si je le loupe, les gars. Sauf que je le vois pas assez bien. Il prend pas. Ah mais il y a des vides sur mon truc en fait. Il y a des vides sur mon truc. Mais non, il y a des vides sur mon truc. Il y a des vides les gars. En fait, je suis baisé, il y a des vides sur mon truc. Et ouais, il y a des vitres, il y a des vides sur mon truc, je peux rien faire. Putain, mais non. Putain, je suis tellement deg. Ah si, j'ai peut-être une idée. J'ai peut-être une idée. Je vais essayer de le tuer par en bas, mais j'ai une idée. J'ai une idée pour tuer le maire. J'ai une bonne idée pour tuer le maire. Si cette idée est foire, tu seras absolument pour rien, ok? On va passer par là, ouais. On va essayer de faire un truc, ok? Je vous garantis rien. Niqué et je sais pas si je l'ai tué. Tiens. Oui. Bon, qui t'a donné le contrat, s'il te plaît, tu vas le voir.
C'est un SDF. Un SDF, donc tu peux me dire son nom. Parce que si tu sais pas, c'est toi qui... Tu dois savoir qui t'envoie le contrat. C'est obligatoire. Non mais je le sais qui m'envoie le contrat. Ouais. Ah bah oui, Alex, il est là. Alex, c'est lui en fait. Attends, je lui donne de l'argent directement. Mais non, mais moi l'argent je l'ai eu, je crois, non? Mais t'es quoi comme métier? Et lui il était SDF. Tu l'as eu l'argent? Ouais, je l'ai eu parce que j'ai tué le maire. Ah ouais. Là, t'abuses, gros, j'avais réussi à toutes mes installations là, j'allais faire plus de doigts et tout. Tu vas te faire un peu chier. Mec, j'ai dû faire un plan de malade pour te tuer. Désolé, hein. Bonne journée. Bon bah moi je l'ai niqué, voilà. Le maire je l'ai niqué, on a niqué le maire les gars. Mon plan était infaillible, on a niqué le maire les gars. Ok, je voudrais savoir c'est combien pour nettoyer des tâches. C'est, ça dépend quel type de personne vous voulez nettoyer, quel type de tâches. Quel type de personne voulez-vous effacer? L'autre chauffeur du taxi. Ah, donc concurrence, là on parle de concurrence directe. Donc combien serez-vous prêt à payer pour effacer cette concurrence directe? Monsieur, ça dépend de ce que vous proposez. Bah moi écoutez, moi je vous propose un effacement propre et sans bavure et en toute discrétion pour que vous soyez le seul dans votre métier à pouvoir ramasser de l'argent dans votre profession. Ça, sous 24 heures maximum. Oui, c'est ça monsieur, c'est ce que je veux. Et c'est ça bien s'il vous plaît. Alors dites-moi combien vous êtes prêt à me proposer, je vous dirai si ça me convient ou si ça ne me convient pas. Donc là, comme vous le savez, chauffeur de taxi, c'est un métier qui ne m'apporte pas beaucoup d'argent. D'accord. Donc je vous propose 2000 euros. Vendu pour 2000 euros, j'allais lui proposer 1000, il me donne 2000, parfait. Ok, je vais juste aller ramener l'argent. Ok, je vous attends ici. Attendez. Voilà, monsieur, vous m'avez mis 1000 euros. Alors du coup, je vais vous demander 1000 euros en liquide tout de suite. Ah ok, tenez monsieur. Vous le saurez dans le journal officiel quand la victime sera... sera oui, vous inquiétez pas, et vous le saurez dans le journal officiel. Et sans bulle. Pas de soucis, okay, monsieur. Okay. Bonne journée. Alors, faut que je tue Thibaut Twez. Donc ça doit être un chauffeur de taxi. Donc je vais l'appeler. Allô. Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour, je viens tout juste de vous appeler parce que je cherche un taxi en fait pour m'amener aux HLM. Je suis devant la mairie là. Je dois savoir si vous êtes disponible. D'accord, j'arrive tout de suite. Ok, je vous attends. J'ai le crâne rasé et j'ai un beau costard. Je peux pas y avoir. Ok, j'arrive tout de suite. Ah, il y a des braquages de balles. Ah, bonjour monsieur. C'est à vous que j'ai parlé monsieur? Oui, exactement. Donc je veux bien aller aux HLM s'il vous plaît. Les HLM du Taco Bell, j'imagine. Les HLM tout au fond, après le Taco Bell. Vous faites quoi dans la vie, monsieur? Bah, moi, écoutez, je trafique un peu avec des gens malhonnêtes pour me faire un peu d'argent. C'est pas de l'argent propre comme vous. Ok. Ah, ok. Merci. Ah, donc, et plus précisément? Bah, attendez. Déjà, descendez, je vais vous donner un pourboire. Ok, vous venez avec moi, vous mettez contre le mur là-bas. Derrière, allez, avancez. Avancez. Oh, okay. Avancez, mettez-vous contre le mur. Mettez-vous contre le mur. C'est bien. Vous pouvez me donner votre nom et votre prénom? De toute façon, je vais regarder votre carte de taxi. Je m'appelle Chat. Ah, ok. Ah, monsieur Thibaut Twizy. Donc, c'est bien vous. Donc, je vais vous expliquer pourquoi je suis là aujourd'hui. Je suis là aujourd'hui. Arrêtez de bouger. J'ai été embauché par votre taxi concurrent pour vous éliminer parce que vous lui faisiez trop de concurrence. Je suis désolé d'avance, c'est comme ça que je fais mon argent, monsieur. En vous souhaitant une bonne mort. Oh, putain. Ok, c'est bon, les gars. J'ai confirmé l'identité, j'ai pu le buter, on est bon. Ok. J'ai récupéré mes 1000 balles. Ok, maintenant je fais une annonce. Voilà. Ok, les babtous, on a fait notre deuxième contrat, on est bon, c'était propre, c'était vraiment propre là. Votre matricule. Ah oui, du coup je peux mettre quoi? Donc, vous pouvez un peu m'expliquer le but de mon travail, les recherches que je dois y faire et... Merci.